Alors le film qui m'a le plus marqué, c'est la trilogie originale Star Wars, qui est sortie entre 77 et 83, et réalisée par George Lucas, Rick McCallum et Irvin Kershner. Alors ça m'a marqué parce que la première fois que je l'ai vu, en fait, c'est assez rigolo, c'est qu'en 97, quand l'édition spéciale est sortie au cinéma, moi je sortais des 101 Dalmatiens, et je voyais les gens qui faisaient la queue, et j'étais en train de me dire, mais pourquoi les gens vont voir cette merde? Enfin, je voulais absolument pas entendre parler de Star Wars. Et puis c'est un ami de ma sœur qui m'a prêté les VHS et puis je me suis dit un week-end, bon bah allez, je me lance. Et j'ai vu l'épisode 4 en édition spéciale et là effectivement je me suis dit ah je comprends mieux pourquoi les gens apprécient et j'ai dévoré la saga tout de suite après. Il y a ce mélange des genres en fait qui fait qu'on est devant une épopée qui est assez prenante du début à la fin. Avec cette histoire de famille, enfin, il y a vraiment, on s'identifie à peu près à tous les personnages. Je crois qu'il n'y a pas un personnage plus qu'un autre dans lequel je vais me placer. C'est, je pense que je me retrouve un petit peu dans chaque. Et toute cette histoire-là, en fait, fait que ben, on est devant quelque chose de prenant et de marquant. Et voilà. Et puis, donc du coup, ça m'a permis aussi d'entrer dans la culture geek de manière vraiment. Importante quoi, et du coup maintenant je consomme science-fiction, fantasy, etc. Je suis à fond dans la pop culture avec tout ça, et voilà, ça a un peu marqué ma manière de consommer le cinéma et de consommer toute la culture en général. Voilà.